Alléluia, je commençais à avoir mal au ventre, tellement que j'en pouvais plus de ce passage-là. Ok les gars, on est parti. On se retrouve pour un nouvel épisode. Oh putain, non mais c'est sérieux là? T'imagines, il y a encore une phase d'arène après? Je pense que là, je vais vraiment mourir, parce que je suis à deux doigts de mourir, je le sens en fait. Putain, bah voilà, tiens. Tiens donc... Je me suis dit, il y a un moment où les trucs ils vont disparaître quand même. Là, j'ai déjà trouvé un bon plan, tu vois. Bah non, pas du tout. Évidemment, plus ça passe, plus j'ai envie que ça aille vite. J'ai envie de dire, putain, je me comprends. Hein. Mais... Le souci c'est que si j'y vais pas direct, le truc il se tourne et je suis mort. Donc comment je fais moi? La bonne franquette hein, le jeu. Ok. Mais non quoi, j'avais déjà sauté, j'aurais pas dû me faire toucher. Allez, c'est reparti. Tu sens ça, c'est vraiment le skill de quand t'es vénère quoi. Là je suis passé en zone là. Niquez vos races! Voilà, je veux que ça se finisse. Vite, 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 vite. Oh non, je le sens tellement mal. Mais je dis pas qu'il faut des trucs. Non, là, j'extrais, c'est bon. Je fais extraction. On va plus me demander des orbes machin, là. C'est la fin, là, on est d'accord. Deuxième étage, non. Non, 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 non. Il y a combien d'étages, en fait? C'est une blague. Genre, deuxième étage, troisième étage, et on va jouer 20 heures comme ça, avec des petites plateformes et des lasers et des boules. Moi aussi, hein, j'invente. Un laser, une plateforme, une boule, et c'est fini, je te fais un milliard de niveaux, hein. On peut finir comme ça jusqu'à la fin des temps, hein. Vraiment incroyable quand même, ce foutage de gueule d'un autre espace. Là on est sur du foutage de gueule intergalactique. Thank you.
Putain, au bout de ces skies, la dernière fois, il y avait une arène. S'ils me refont le même coup. Oh putain, mais non. Je veux dire que le combat en arène d'une heure 30 tout à l'heure, c'était un combat d'arène parmi tant d'autres. J'y crois même plus là. Radiation, carrément. Et je fais comment moi du coup pour éviter les radiations? C'est quoi qui m'irradie la gueule là? Bah, je suis condamné là, avec vos conneries. C'est pas ce qui fait des radiations, j'ai l'impression que c'est juste dans la zone, c'est comme ça. A la fin du jeu, sur ma putain de vie, on va aller voir le trophée de fin de jeu. Combien de personnes l'ont récupéré? On doit être, mais à moins d'1% quoi. Parce que vraiment, il faut être fou comme moi, et être vraiment têtu comme moi pour finir le jeu. Hein. Parce que vraiment, je sais que je fais des vidéos et que je dois le finir. Parce que je promets toujours de finir les jeux que je commence. Mais il y a personne, faut vraiment être un fou comme moi pour finir le jeu, il n'y a pas d'autre explication. Parce que là, ce niveau de nullité et de casse-couille, tu veux pas. Quelqu'un de sain d'esprit l'aurait arrêté depuis très 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 longtemps. Vous dire, j'ai passé tellement de temps que j'ai rattrapé tous les niveaux de retard. Vous savez que même par ça, j'ai niveau 21 ou 22 là. D'accord que ça se pose à l'infini là. Comment je fais pour péter ce truc du coup? Deux ennemis qui ont mis du temps à apparaître. C'est ces trucs là qui créent les radiations, c'est obligé, je sais pas, il y en a 1 milliard, ça part jamais. J'ai l'impression que je suis devenu tellement HL que les ennemis, je les extrais sur place. À chaque fois ils arrivent, ils ont un bouclier et tout, extraction. Voilà, ils me le proposent à chaque fois. Bon, je suis plein en orbes évidemment, hein, ça fait longtemps à force de... Voilà, Duncan est niveau 22. Ouais. Enfin, je sais pas comment ça va se finir cette connerie là. Tu vas faire quelque chose en particulier ou ou nique sa mère, ça va durer une heure réellement. Ok, putain. Je jure, il y a un troisième étage. Non mais là ça serait trop. Hein. C'est déjà trop, ça fait très 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 longtemps que c'est trop. Ils se tournent pas ceux-là? Ah, c'est des barrières ça? D'accord, et elles partent au bout de 30 ans en fait. Bon. Ah putain, mais c'est quoi? C'est le pixel du haut de mon casque qui m'a fait me toucher là? J'aurais dû passer de justesse normalement. En plus ils calculent mal leur level design. Je peux sauter un truc. Ah.
Allez, c'est reparti. Pour moi, le jeu, il est fini. Ça fait 30 heures que le jeu est fini, hein, en vrai. Là, ils sont en train d'user de facilité pour allonger le jeu ad vitam aeternam. Vraiment, on fera pas croire qu'ils ont fait ça en pensant que ça allait être amusant. Ils ont fait ça pour que ça dure plus longtemps, quoi. Mais quel est l'intérêt? Vraiment, quel est l'intérêt? C'est juste organiser une séance de torture pour les joueurs, hein, c'est tout. C'est cracher à la gueule de tout le monde de faire ça. Déjà, de 1, c'est de prendre les gens pour des cons, pour croire que... Oh là là, waouh! Genre, les gens, ils vont vraiment dire « Oh là là, durée de vie est extra !» Alors que ça se voit très bien qu'en fait, ils font juste que faire spawn un milliard d'ennemis et reproduire un milliard de fois le même pattern de saut. En mode, regardez le plus de platformer, voilà, c'est vraiment allonger artificiellement la vie du jeu en te forçant à faire plein de trucs secondaires également. Déjà, donc de 1, c'est de prendre les gens pour des cons. Et de 2, c'est vraiment organiser la torture, c'est pour juste... avoir le côté durée de vie augmenté, faire souffrir les joueurs, voilà. C'est totalement gratuit. Être coincé là et je vais devoir refaire le truc de je commande pas et putain. Je sais même pas ce que je me prends comme attaque, je focus un ennemi et je me prends des trucs qui me one shot derrière. Non, bon, il y a vraiment des attaques, je comprends pas c'est quoi. Mais il y a des trucs qui sortent du sol en fait. Alors que le sol il existe même pas, tu les vois pas les petites merdes. Et t'arrives devant et bim, ça t'expose à la gueule et tu meurs. Putain, mais c'est vraiment super. C'est un viol organisé. C'est un viol organisé par les développeurs. Je suis niveau 21, bordel. Je suis niveau combien, là? Oup. Je suis niveau 22. Niveau 22, ils sont niveau 16. Je me fais violer par tous les trous. C'est quoi cette merde? S'il vous plaît, expliquez-moi cette merde. Oh là là, voilà, ça c'est la mort, ça, voilà, c'est gratuit. Allez, dans ton cul. Un ticket direct dans ton cul. La manette Xbox One, elle en peut plus, tellement que ça te prend dans tous les sens, ma manette elle a bugué, je crois. La vibration, elle est cassée. Le jeu a cassé ma vibration. Voilà, ma manette elle vibre pour rien là, putain ça... Le jeu a réussi à casser ma manette, c'est génial.
En même temps, le jeu il fait vibrer la manette pour n'importe quoi. Il y a un ennemi qui tire sa vibre, tu tires sa vibre. T'appuies sur le truc pour faire la pêche, ça vibre tout le temps. Il n'y a pas une seconde où la manette elle vibre pas, ça vibre pour 12 raisons différentes en même temps. Et ça y est, ma manette elle est pétée maintenant. Super, merci le jeu. Super, donc t'étais censé me coûter rien du tout. Et là tu me coûtes une manette. Vous l'entendez ou pas? Elle fait un bruit de moteur ma manette maintenant. Je vais vous la mettre devant le casque pour que vous entendiez bien à quel point ils ont pété ma manette. Les piles de votre manette sont faibles. Les piles de votre manette sont faibles. J'ai racheté, voilà. En fait c'est pour ça, j'ai racheté des piles. J'ai racheté des piles il y a vraiment une semaine. J'ai presque pas touché à la Xbox à part pour jouer à Record. En fait, quand j'ai acheté les piles, il n'y avait plus que Record. J'ai lancé Record quand j'ai acheté les piles. Et voilà. Non, je crois que j'étais plutôt vers la fin de Fable 3. Mais puisqu'on a enchaîné Frog Record dès la fin de Fable 3. Voilà. Le jeu a niqué mes piles. Mais en plus, quand j'ai... Non, c'est même pas le jeu, c'est vraiment ce passage. Parce que j'ai vérifié à batterie ma manette juste au moment du dernier épisode. Le dernier épisode où j'ai pété un câble dans l'arène, là, j'ai vu la batterie. J'étais à 3/4 de batterie. J'étais à 3/4 de batterie. Voilà, mais à cause des combats d'arène de 1h30, la manette elle vibre, elle vibre, elle vibre, elle vibre, elle vibre. Parce qu'elle vibre pour tout, je vous dis, elle vibre pour tout. Le mec là, il touche, voilà, il frappe le sol, ça vibre. Je tire constamment, puisque c'est full mitraillette, ça vibre. Mon robot, je lui demande d'attaquer, il vibre. Tout vibre, tout vibre. La manette, voilà, je vais devoir acheter des piles maintenant. Parce que. Ils ont organisé un viol de merde où il y a un milliard d'ennemis et tu spawn et à chaque fois allez, c'est reparti pour le fight. Tu fais ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et non seulement t'as envie de péter un câble, mais en plus tu vas arracher des piles, voilà. C'est la pointuple peine. Attaque. Montre-leur ce que tu sais faire. Faut frapper fort. Je sais même pas pourquoi j'avais de l'espoir quand on m'a demandé d'avoir 30 orbes à récupérer. J'avais de l'espoir pour que ce soit la fin du jeu, mais non, quand un jeu commence à vouloir étendre sa durée de vie, et ben il le fait jusqu'au bout, quitte à te faire fondre ton cerveau, à te faire te jeter par la fenêtre. Le jeu il va s'étendre jusqu'à l'infini. En plus, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus l'excuse de j'ai le retard de niveau. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus l'excuse de j'ai pas de skill. Parce que je suis désolé, le skill je l'ai. Hein, quand il y a les trucs de platformer, je l'ai fait, je les rush, mais comme un gros porc. Les ennemis, je les skiffe, je fais tout ce qu'il faut. Mais non, il y a des trucs, je sais pas. De toute façon, la map elle est illisible. Je me prends des coups, je sais même pas d'où ils proviennent. Voilà, voilà, comment j'esquive ça? Le truc il était pas là et bim, ça explose à un mètre de moi, même pas un centimètre, c'est déjà sur ma gueule le truc. On voit pas, il y a des couleurs saturées de partout. Il y a du rouge qui brille de partout, c'est noir, c'est vert, c'est jaune, c'est dégueulasse, c'est saturé dans tous les sens. Il y a de la fumée verte, des radiations.
les effets lumineux dans tous les sens, voilà, tu sais même pas si c'est une attaque ennemie ou si c'est un truc allié. C'est quoi cette merde, sérieusement, quoi? Je prends des attaques, tu les vois venir toi les attaques. La radiation constante qui te fait perdre de la vie tout le temps, parce qu'évidemment c'était pas assez cancer le passage, hein. C'était jamais assez cancer de toute façon. Quand on fait un jeu vidéo, faut toujours que ça soit cancer, faut pas que ça soit amusant. Je crois qu'en fait ça doit être culturel. Je parlais des jeux japonais, des jeux occidentaux, mais je pense que c'est culturel en fait. Le jeu occidental doit être chiant. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est juste culturel. C'est pas que les occidentaux ils puent, ils savent pas faire de jeux. Non, c'est qu'en fait les occidentaux ils font exprès de faire des jeux de merde. Et c'est là qu'ils, c'est dans ça qu'ils excellent en fait. Par contre les japonais, eux voilà, leur truc c'est de faire des bons jeux. Voilà, c'est juste une question de culture. C'est pas il y en a un qui est meilleur que l'autre, non. Putain, ça me rend dingue. Celui-ci c'est. Voilà la radiation qui va encore me tuer. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Voilà, super. Dans toutes les attaques qui viennent de nulle part et les radiations qui m'enlèvent de la vie à chaque fois. Mais là j'ai pris que des dégâts des radiations hein. Je peux rien faire, je suis obligé de mourir au bout d'un moment en fait. Je peux pas gagner. Là je crois qu'on est dans un endroit où pas win en fait. Regardez, ma vie elle remonte pas, je prends toujours les dégâts de la radiation, je suis cuit. Je suis totalement cuit. Donc là je vais mourir par la radiation, voilà. Voilà. J'ai carrément un niveau supérieur aux ennemis. Mon niveau est au-dessus de celui des ennemis. Mais je vais mourir parce que voilà, regardez, je prends un coup de radiation, voilà. Ça va continuer ainsi jusqu'à ce que je crève. J'ai beau tout esquiver. Je peux tout esquiver, hein. Je vais quand même finir par crever. J'essaye d'extraire parce que j'ai l'impression que c'est le seul truc qui peut me sauver la vie. Mais au moment où j'essaie d'extraire, je me fais violer. Et voilà, j'essaie d'extraire, il y a une boule qui sort du sol, on sait pas d'où elle sort, elle retombe, elle le tue. Voilà, c'est génial hein. C'est certainement parce que je pue la merde au jeu. C'est pas du tout parce que le jeu est mal fait, non, pas du tout. Je devais deviner qu'il y avait une boule qui allait sortir là alors qu'il n'y a aucun signe. Tu vois la boule, elle sort de nulle part, il n'y a pas de signe dans le sol pour te dire il y a une boule là, fais attention, ne va pas vers là-bas. Genre comme des mines, non, ça sort de nulle part, hop, ça, hop dans ton cul, tu crèves, voilà. C'est bien hein. C'est bien quand même. Le jeu vidéo, c'est exceptionnel. Et putain, voilà la boue qui sort de nulle part pendant que j'essaye d'extraire un connard là qui veut pas se laisser faire. Et je vais mourir. Et je vais. Voilà, je peux pas esquiver. Super. Merci hein. Allez, cool. Ah.
commences à me dire que c'est pas 1% des joueurs qui ont fini le jeu, ça doit être 0,1%. Personne de censé continuer. C'est vraiment une connerie. Déjà, t'as pas normalement, t'es quelqu'un de normal, t'as pas de temps à perdre déjà sur ces conneries là. Suite de 2, t'as pas de raison de te faire souffrir. Et de 3, il y a 1 milliard de jeux sur la planète, tu vas sur un autre jeu et tu essaies de t'amuser. Franchement, autant se bourrer la gueule que de jouer à ce jeu quoi. Là c'est des ennemis trop avec trop d'HP, du coup je peux pas les extraire assez rapidement pour vivre. Et voilà, là je suis cuit parce que la radiation elle va me terminer. Voilà, super. Génial. Voilà la boule, c'est quoi cette boule qui sort de nulle part, qui tombe et qui t'encule? C'est quoi ça? On avait besoin de ça déjà? Non! Voilà, juste. Allez, faudra m'expliquer comment il m'a touché, lui, alors que j'étais en l'air. C'est un truc corps à corps. Vite là, je perds de la vie pendant ce temps là moi. Et je me prends des coups de houe là. Mais c'est quoi qui me tue? Je suis bloqué. Ouais, je prends du feu, je prends des dégâts d'où. Je lâche ma manette, ça sert à rien, le jeu veut plus que je joue. Voilà, et quand je lâche ma manette, on fera plus, hein, c'est ça la blague. Je regarde tellement que... Là, je regarde cette merde qui est en face de mes yeux. Cette chiasse. C'est incroyable. Comment tu peux oser faire un truc aussi chiasseux? Ils y ont pas joué. Ils y ont pas joué. Vous comprenez ça? Ils ont pas mis ces arènes. Ils ont pas mis ces arènes et ils y ont joué derrière. Non, ils l'ont pas fait ça. Ils l'ont pas fait. Personne dans l'équipe de développement ne l'a fait. C'est impossible parce que tu pourrais pas mettre une arène comme ça aussi chiante et 3 d'affilée. Et y jouer et péter un câble comme moi et te dire on va le garder dans le jeu final. C'est impossible. Ils l'ont mis, ils ont fait. C'est possible de passer, voilà. Au pire, de toute façon, les mecs, ils ont qu'à passer plus de niveau et à mieux améliorer leur robot. Et de toute façon, au pire, s'ils ont pas le niveau, bah, puisque de toute façon, quand il meurt, il garde quand même l'XP qu'il a gagné dans son premier essai, bah, il y a un moment, il va y arriver, il peut pas être coincé dans le jeu. Ils ont fait, c'est bon, c'est fini, on a fini notre jeu. Niquez vos races, putain de trisomie. Vous êtes des trisos.
Vous êtes des putains de trisos, c'est grave. Voilà, on va arrêter le massacre ici. J'espère que vous avez passé un super mauvais moment en ma compagnie sur cet épisode record. Voilà, je vais devoir encore galérer hors vidéo à passer ça. Et je sais même pas combien de putains d'arènes il va y en avoir encore derrière. Je sais pas combien il y a d'étages dans cette tour. Je sais pas combien de temps ça nous prend. C'est censé être la fin. On a buté Victor, y a rien. C'est juste des plateformes en boucle. Toujours la même chose. La boule sur une plateforme. Et la petite plateforme. Et la barrière. Et le truc qui te reset tes os. Et c'est reparti la boule, la plateforme. Et ça pendant 3 heures. T'arrives, la reine, elle te chie sur la gueule. Tu continues. Bim bam boum. Tu meurs, tu reprends. Tu meurs, tu reprends. Hop, c'est reparti. Encore des plateformes. 3e étage, 12e étage. C'est bon quoi? C'est bon. Oh. Le cerveau. Faites un don de cerveau à ces gens. Faites une cagnotte. Faites un Kickstarter. Faites pas un Kickstarter pour financer le jeu. Faites un Kickstarter d'abord pour vous financer le cerveau. On financera votre jeu après. Hein. Bon. Au revoir. Voilà.